Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Il s'agit en fait de la première partie de deux sur ma fac, sur la foire aux questions en fait. Donc je réponds à vos questions aujourd'hui. Vous avez été nombreux à me poser des questions et je vous en remercie. Et il y avait plusieurs questions par personne, ce qui fait que je suis arrivée à un bon nombre de questions au total. Et je me suis dit pourquoi pas, je vais faire ça en deux parties encore parce que vous me connaissez, je suis du genre à blablater beaucoup. C'est déjà le cas maintenant, donc je commence sans plus tarder. Les questions sont un peu pêle-mêle, je dirais pas de qui elles viennent à chaque fois parce que ça viendrait assez redondant parce qu'il y a plusieurs questions par personne. Donc, première question, Kiss, Marry, Kill, Friendzone, donc les off-campus mâles d'El Kennedy. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui me connaît bien ici. Donc, j'ai pensé à cette question. Donc, il s'agit des 4 tomes de la série Off-Campus de El Kennedy, qui est ma série de livres préférée. Donc, j'ai réfléchi à cette question. Et j'avais marié en fait Garrett, qui est le personnage principal du premier tome de la série. Je vais embrasser Tucker, qui est le personnage principal du 4e tome de la série. Je vais garder comme ami en fait Logan, qu'on retrouve dans le 2e tome. Et je vais malheureusement tuer Dean. J'hésitais un peu entre Logan et Dean parce que, tu sais, mais on dirait que je trouvais Logan mieux que Dean, donc Dean, je suis désolée, mais je vais te tuer. Donc c'est le personnage qu'on retrouve dans le 3e tome de la série. Ensuite, prochaine question, c'est une question en fait qui m'a été posée à de nombreuses reprises, je tiens à dire. Donc je réponds à toutes les personnes qui me l'ont posé cette question-là aujourd'hui. Donc pourquoi as-tu décidé de lancer ton blog, ta chaîne YouTube et un conseil à quelqu'un qui voudrait commencer? Donc, pourquoi j'ai décidé de me lancer? Ben en fait, j'ai commencé l'aventure blog quand j'étais au secondaire. J'avais en fait commencé un blog sur Twilight à la base, donc à la fin du secondaire, quand j'avais environ 16 ans, je dirais. Donc voilà, donc j'ai commencé avec ça et ensuite ça s'est transformé avec les livres quand j'ai recommencé vraiment à lire après Twilight au cégep. C'est là que j'ai créé mon blog, c'était seulement pour partager mes avis sur mes lectures, puis j'ai vu qu'il y avait quand même une petite communauté qui commençait à se créer, surtout en France. Donc j'ai commencé le blog comme ça et je dirais environ un an plus tard, environ, je me souviens plus des dates exactes, j'ai commencé ma chaîne YouTube en fait, donc j'ai commencé à être sur BookTube et ça fait maintenant 6 ans que je suis sur BookTube. J'ai été plus ou moins régulière au début, je dirais que je suis maintenant depuis environ 3 ans, je suis très très régulière comme vous pouvez le constater dans mes vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ça, c'est comme ça que ça a commencé. Et pourquoi, le pourquoi de tout ça? Ben, c'est encore une fois pour partager. J'ai eu envie de commencer des vidéos parce que, bon, c'était une petite mode qui passait environ, c'était sur les blogs encore en ce moment. C'était pas juste, il n'y avait pas des personnes qui décidaient de se partir une chaîne YouTube pour juste être sur YouTube. C'était une vidéo par mois à la base. J'ai commencé comme ça, mais j'ai trouvé que c'était un peu un moyen pour moi de communiquer mes avis, mes impressions sur les livres d'une manière beaucoup plus directe, facile pour moi parce que j'ai jamais eu une facilité. Ben, c'est pas vrai. Mais quand même, j'ai jamais eu une facilité à écrire des chroniques, de mettre mon ressenti sur papier. C'est quelque chose que j'ai toujours eu de la misère. Moi, j'écrivais des dissertations, des choses comme ça, des... À l'école, là, bon, moi j'écrivais des 2000 mots au lieu des 1000, là, bon, pour ça c'était facile pour moi, mais écrire des avis, c'était pas pareil. Donc c'est pour ça que j'ai préféré en fait BookTube en vidéo. C'est ce qui m'a poussée à continuer et vraiment à mettre toute mon énergie sur YouTube au lieu de dans mon blog finalement. Et deuxième partie de la question, bon, si j'ai des conseils, c'est une question, oui, qui m'a été posée souvent et ça fait un bon moment que je pense aussi à faire une vidéo sur le sujet, donc ça se pourrait très bien que j'en fasse une prochainement. Mais le conseil de base, en fait, c'est de faire ça par passion. Ok, c'est... Faut pas s'embarquer là-dedans parce que malheureusement, c'est que il y a déjà des personnes qui m'ont posé la question. Donc, c'est... Tu embarques là-dedans, souvent pour les livres qu'on reçoit des fois en partenariat, je sais que c'est quelque chose qui va attirer beaucoup de gens. Et si on fait ça pour ça, ben c'est pas la bonne raison de commencer une chaîne, un blog, peu importe. Juste le fait d'avoir des livres gratuits, vous allez vous tanner, vous allez voir que c'est beaucoup de pression finalement. Donc le but c'est, il faut vraiment avoir la grande, grande, grande passion de la lecture des livres pour commencer sa chaîne. Puis après ça, c'est assez facile, puis vous n'êtes pas obligé d'avoir une tonne de matériel, là. Vous avez juste besoin de, par exemple, votre téléphone. Moi, je filme avec une caméra numérique que j'ai depuis
presque 10 ans. Et c'est ça. C'est une caméra que j'ai super, super de base, donc avec très, très peu de fonctions, mais qui fonctionne. Donc ça m'a coûté à peu près 100-150$ gros max de cette caméra-là. Donc c'est assez abordable faire des vidéos, donc vous n'avez pas besoin de vous acheter une tonne de matériel. Évidemment, vous pouvez vous upgrader, disons, plus tard si ça vous plaît, si vous voyez que vous aimez ça, que vous voulez continuer. Mais pour commencer, ça prend vraiment pas grand-chose. Un beau décor, un petit peu, une bonne luminosité, super important. Et une passion pour les livres, donc c'est les conseils que je vous dirais pour commencer une chaîne BookTube. Ensuite, question un peu plus personnelle, que pense ton petit ami que tu lis autant? Ben en fait, étonnamment, je suis célibataire, donc ça change absolument rien. Je me suis quand même rendu compte que quand je suis en couple versus quand je suis célibataire, ben j'ai tendance à lire beaucoup moins quand je suis en couple que quand je suis célibataire, hein, évidemment, ben on met du temps ailleurs. Hein, donc là, j'ai tout mon temps à moi, donc pour ça que je peux lire autant, mais c'est pas un gars qui va m'empêcher de lire, ça c'est sûr et certain, donc faut m'accepter comme je suis parce que cette passion-là des livres, ben ça va pas disparaître parce que je suis en couple. Prochaine question, quels sont les livres New Adult que tu recommandes de lire pour une première lecture en VO en anglais? Je suis du genre à lire, oui, beaucoup de romans New Adult et tout, j'en lis en anglais et en français. Pour ce que j'ai lu en anglais, je vous dirais que pour une première lecture, je crois que j'ai débuté le New Adult avec un peu cet auteur-là aussi, avec Abby Vance. Donc, c'est des livres qui sont super courts, super concis, super faciles à lire. L'écriture d'Abby Vance n'est vraiment, vraiment pas compliquée. Donc, elle a deux séries que j'aime beaucoup. Il y a Rosemary Beach et il y a Sea Breeze. En fait, c'est deux de ces séries qui sont quand même assez longues, mais c'est des tomes uniques. Donc, si vous tannez, ben, c'est pas si grave que ça. Donc, sinon, moi, je vous dirais Kennedy, évidemment. C'est une auteure que j'aime beaucoup, mais je trouve son style quand même assez simple encore. Mais vraiment, si vous voulez quelque chose de simple et de facile à lire, allez pour du Abby Vance. Ça, c'est assurer que vous allez comprendre. Qu'est-ce qui t'a poussé à lire en anglais et as-tu ressenti des difficultés lors de ta première lecture? J'ai fait une vidéo complète de genre 20 minutes sur mon expérience de lecture en VO, ma première expérience, mes premières expériences en fait, avec des conseils que je vous donne à la fin de la vidéo. Donc si vous n'avez pas vu ça, je vous remettrai le lien. Mais oui, évidemment, j'ai eu des difficultés au début. Ce qui m'a poussé à lire en VO, ben, il n'y a pas grand-chose qui m'a poussé en VO, lire en VO. Je me promenais en librairie, je voyais les livres en anglais, je trouvais que les couvertures étaient tellement belles, ça avait l'air tellement intéressant. Donc un jour, j'ai décidé, j'ai acheté un livre que je commençais à lire. C'est comme ça, tout simplement, que ça a commencé. J'ai continué, j'ai persévéré et j'ai trouvé aussi, évidemment, que le prix des livres, ben, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que les livres en français. Donc, c'est une des raisons qui m'a poussée à continuer dans cette voie-là. Puis, c'est ce qui fait que j'ai une bibliothèque, une palle, une collection de livres aussi grande aujourd'hui. Ben, c'est parce que les livres en anglais sont beaucoup moins chers qu'en français. Et oui, j'ai eu de la difficulté, comme je disais, à commencer à lire en anglais. J'avais mon dictionnaire à côté de moi durant ma première lecture. Ça a pris, c'est un, deux, trois semaines certains, lire mon premier livre en anglais, là. Mais j'ai persévéré et comme vous voyez aujourd'hui, ben, je crois que la grande majorité de ma parole et de ma bibliothèque en général est en anglais, donc voilà. Dans tes lectures VO, es-tu plus du genre à rechercher les mots quand tu ne comprends pas ou à laisser passer? Je vous dirais que je vais être du genre à laisser passer la plupart du temps. Si je lis sur ma liseuse un livre en anglais que je comprends pas un mot, souvent j'aime bien l'option de juste comme cliquer sur le mot puis on va me donner une définition. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, on donner une définition, une traduction et tout du mot. Mais sinon, si je lis un livre en version papier, ben je suis vraiment du genre à laisser passer, là, genre vraiment, genre 95% du temps, je vais laisser passer totalement. Cite au moins 3 booktubeurs dont tu ne rates jamais leurs vidéos. Je vous dirais que j'en suis tellement que il y en a, je peux pas suivre toutes les vidéos de tout le monde. Puis même d'un booktuber en général, c'est rare que je regarde ses vidéos comme toutes. Côté booktube, au Québec, en fait, je suis particulièrement les vidéos de Max Booking et de MH la lectrice. Et pour ce qui est côté plus international, donc je suis Book Utopia, que j'aime beaucoup, et Cassidy Vanché aussi. Donc je mettrai tous les liens, les chaînes en barre d'infos là, si ça vous intéresse. Quelles sont les choses dont tu es le plus fière sur ta chaîne et sur ton blog? Donc je suis le plus fière. C'est d'avoir persévéré à ce point. Je pensais jamais que l'aventure
Booktube et en blog aussi, sur le blog, ça m'amènerait aussi loin dans ma passion. Je pensais pas que ça allait se développer à ce point-là. Évidemment, j'ai fait énormément de belles rencontres, j'ai pu vivre des super belles expériences aussi grâce à cette passion-là. Ça m'a amené dans des salons du livre, dans des événements livresques, dans toutes sortes de choses. C'est des échanges avec toutes les autres blogueurs, booktubeurs, avec les auteurs aussi, que c'est tellement, on est tellement privilégiés en fait. Donc, ce que je suis le plus fière, c'est ça, c'est d'avoir tissé des liens, d'avoir créé des liens vraiment au fil des ans qui vont rester même si je suis plus sur YouTube un jour. Ça va sûrement arriver, hein? Je passerai pas ma vie jusqu'à 90 ans sur YouTube, on s'entend, mais je crois qu'il y a quand même des liens que j'ai tissés qui vont pouvoir rester par la suite, donc ça, je suis super fière de ça. Si tu avais une chose à changer dans ta chaîne ou à travailler, ce serait quoi? Je vous dirais que, bon, déjà, ça fait un moment que je pense, côté matériel en fait, à m'acheter une autre caméra parce que celle-là, je vous ai dit tantôt que c'est... je me contredis, mais quand je vous dis ça fait vraiment plusieurs années que je l'ai, puis le fait qui m'énerve, c'est que j'ai aucun retour caméra. Me préparer à faire une vidéo, savoir je suis bien cadrée, ça m'énerve à un point que vous pouvez même pas imaginer. Donc, une chose que je voudrais changer, c'est un petit peu la qualité de mon matériel. C'est pas comme quelque chose en vidéo en tant que tel, mais c'est quelque chose qui m'énerve et que je pense depuis plusieurs années maintenant. Donc, upgrader un petit peu mon matériel. Sinon, en termes de contenu, ben c'est sûr que j'aimerais ça être toujours plus comme... diversifié. J'ai l'impression de toujours tourner les mêmes choses, mais en même temps, c'est des vidéos que vous aimez, auxquelles vous répondez bien, donc pourquoi changer? Mais aussi, je sais que c'est bon un peu de nouveauté, c'est juste que... on dirait, je sais qu'il y a des personnes qui vont travailler comme à temps plein puis qui vont avoir le temps de faire toutes sortes de choses, mais on dirait que c'est pas mon genre. On dirait que moi j'ai besoin de relaxer, puis en même temps je lis, faut que je lise des livres aussi pour pour faire des vidéos aussi souvent déjà. Donc le fait de créer du nouveau contenu, ça commence à être un peu comme compliqué pour moi, mais j'aimerais tellement ça innover un peu, sortir de mon décor plus souvent aussi. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment vraiment faire, peut-être vlogger un peu plus souvent. Je sais pas, dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez plus en vidéo, mais j'ai l'impression que toujours assise devant mon décor, ben on pourrait changer ça un petit peu. À savoir comment, je suis pas rendue là encore. Pourquoi as-tu nommé ta chaîne Read, Listen, Feel? Ah, je n'avais jamais eu cette question-là. En fait, ce sont rares les personnes qui me posent cette question-là. Pourtant, on dirait que c'est la base, mais bon. Pourquoi j'ai nommé ma chaîne Read, Listen, Feel? Bon, j'ai cherché un peu... je savais pas trop comment nommer ma chaîne, mais mon blog à la base, au début, quand j'ai commencé. Et j'ai remarqué quand même que les titres, des fois, dans ce temps-là, en anglais, ça... c'était plus attrayant qu'en français, je sais pas pourquoi. Si c'était à refaire, peut-être que je changerais le nom de ma chaîne, puis peut-être que je le mettrais en français parce que maintenant, au Québec, c'est beaucoup plus grand. Mais à la base, c'était plus facile d'être retrouvée et d'être connue aussi avec un nom en anglais, donc j'ai pris ça. Et j'ai pris Read, Listen, Feel, Read pour lire, Listen, ben disons Listen pour tout ce qui est musique, mais aussi dans ma tête c'est Listen, Watch, ça se ressemble un peu, là. Je pouvais pas tout mettre là, donc c'est tout ce qui est série télé, film, toutes ces passions-là en même temps, et Feel parce que justement ça me fait ressentir tellement, tellement de choses. La lecture, c'est pas juste la lecture, c'est tellement plus que ça, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ma chaîne comme ça, mais c'est juste une suite de mots que j'ai décidé de mettre, que je trouvais qui sonnait bien à la base. Aujourd'hui, ben c'est sûr que je pourrais pas changer de nom, hein? On s'entend, je pense pas que je le ferais non plus parce que je suis encore fière de mon nom. J'avoue que des fois il y en a qui ont de la misère à le prononcer, puis ça je trouve ça drôle à chaque fois. Même moi, des fois je le dis pas aussi souvent à voix haute que je l'écris, donc ça c'est drôle. Mais voilà, je changerais pour rien au monde. Où idéalement veux-tu te rendre sur BookTube? Où est-ce que je voudrais me rendre sur BookTube? En fait, j'ai pas de plan précis. C'est sûr que je suis déjà très 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 fière de où est-ce que je me suis rendue aujourd'hui. Pas juste en termes de nombre d'abonnés, mais juste en termes de développement personnel aussi, avec la communauté qui a grandi, dont je fais encore partie, donc je suis super fière aussi d'essayer d'avoir un peu comme contribué à instaurer cette communauté-là aussi au Québec. Donc ça, je suis vraiment vraiment super fière. Mais où est-ce que je voudrais me rendre? C'est sûr que il y a toujours le rêve comme... De l'idéal de j'aimerais ça gagner ma vie avec ça. Hein? C'est sûr que j'adore mon métier, j'adore mon travail, mais c'est pas ça qui m'amène. Comment dire?
c'est pas ça qui m'amène le plus de... J'ai beaucoup de reconnaissance dans mon travail, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, mais BookTube, ça m'appelle vraiment comme le fait de m'évader, d'être passionnée, de... C'est quelque chose, j'en parlerai à longueur de journée de livres, là. Donc c'est sûr que moi, si je pouvais gagner ma vie avec ça, ce serait génial, mais je sais que ce sera pas nécessairement possible, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un autre chemin, mais je suis super fière d'avoir ça, d'avoir ce que j'ai accompli, et c'est sûr et certain que je vais pas lâcher là, que je veux continuer d'innover, puis d'agrandir un petit peu tout ça, tout ce monde-là, tout cet univers autour de ma chaîne, mais idéalement, je sais que je me rendrai jamais à gagner ma vie juste avec BookTube, malheureusement. Si tu devais décrire la personne que tu es en un mot, lequel choisirais-tu? J'ai réfléchi longuement à cette question et je dirais que je choisirais le mot sage. C'est peut-être plate comme mot, mais je suis le genre de personne qui aime pas trop comme... J'ai mon côté fofolle, ça c'est sûr et certain, mais je suis une personne qui en général va respecter les règles, qui aime pas trop comme... T'sais, sortir des sentiers battus dans un sens, là. T'sais, je suis quelqu'un qui est toujours très très raisonnable, très très réfléchi avant d'agir. J'agis pas sur un coup de tête, c'est vraiment, vraiment pas mon genre. Donc, c'est pour ça que je pense que je choisirais sage ou raisonnable. C'est un des deux, mais je pense que je choisirais sage parce que, ouais, vraiment, c'est moi. Comment tu fais pour gérer ton blog? Et quelques recommandations à une personne qui voudrait commencer un blog. Je vous dirais que je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous parler blog. Il y a des personnes au Québec qui seraient bien mieux passées pour répondre à vos questions. Parce que blog maintenant, le blog pour moi, ça a toujours été une extension un peu de la chaîne pour avoir des chroniques écrites. Je poste que des chroniques écrites et que mes vidéos sur mon blog. Donc j'ai aucun autre rendez-vous de type, tu sais, Top 10 Tuesday, la fête de même, genre, c'est lundi, que lisez-vous, là. Tous les gens de ce genre de rendez-vous-là qu'on peut retrouver sur les blogs, j'en ai pas du tout. Donc, pour moi, c'est vraiment un à côté, une extension de ma chaîne. Donc, je pourrais pas vous dire tant de conseils pour commencer en tant que tel, c'est juste d'écrire. Écrivez, c'est tout. C'est facile de choisir une plateforme, mais tellement de plateformes quand même assez simples à utiliser avec des modèles déjà un peu préétablis. Tout ce que vous avez à faire, c'est ajouter une photo, écrire votre avis, puis ça finit là au début. Là, donc, mais des conseils en tant que tel, plus que ça, allez voir d'autres blogueurs au Québec. Je suis sûre et certaine qu'ils vont se faire un plaisir de répondre à vos questions pour ça. Quelle a été ta première lecture? Je peux pas vous dire quelle a été ma première lecture, mais un des livres, une des séries de livres que je me souviens que j'ai beaucoup aimé quand j'étais au primaire, c'est la série Amos d'Aragon de Brian Perrault, si je me souviens bien. Donc c'était vraiment une série que je me suis rendue au tome 6. Il y a 12 tomes en fait à la série, mais j'ai jamais fini la série parce que j'ai arrêté de lire en rentrant au secondaire, donc j'ai jamais fini la série. J'ai tous les tomes par exemple et... Franchement, c'est comme un but dans ma vie d'essayer de finir cette série-là un jour parce que c'était tellement, tellement, tellement génial. Je pense que j'ai lu le premier tome comme 3 ou 4 fois là, pour vous dire à quel point j'ai aimé ça, mais j'ai jamais fini la série, il faudrait vraiment que je le fasse. Il m'en reste plus gros, hein? Il m'en reste plus gros. Pouf, on arrive à la fin de la première partie, mais je tiens à le préciser. Donc, ta série télévisée du moment. En ce moment, j'ai pas de temps de... série télévisée du moment que je suis comme « Oh my god, faut que je regarde ça, là! » Mais ceux et celles que je regarde comme... plus assidûment ou régulièrement en ce moment, c'est la série The White Princess et c'est la série Shadowhunters, en fait la saison 2B, donc la deuxième partie de la deuxième saison que je suis en train de regarder et la première saison de The White Princess dont je vous ai déjà parlé en vidéo en fait tout récemment, donc vous irez voir ça si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est mes séries du moment. Ensuite, ton film favori. Choisir un film, déjà c'est difficile. Je vous dirais que moi, les films que je préfère actuellement, c'est les films basés sur des histoires vraies. J'aime particulièrement les films qui se passent soit au début des années 1900, soit 1950-60. C'est des films que j'adore à chaque fois. Pour vous en nommer quelques-uns, puis j'en ai quand même quelques-uns. On a tout récemment le film Les figures de l'ombre. Ça, c'est... Oh my god! J'ai adoré ce film-là. Je l'ai acheté! Je l'ai acheté moi-même, puis ma mère me l'a acheté à ma fête sans savoir que je l'avais déjà acheté. Oh, on a retourné le film, puis elle m'a acheté autre chose, là, mais... j'étais rendue avec 2 copies du film, puis je les aurais quasiment gardées tellement j'ai aimé ce film-là. Il y a aussi le film Secrétariat, qui est sur un cheval de course, qui est aussi basé sur une histoire vraie. J'ai adoré ce film-là.
Le film L'éveil d'un champion, je me souviens plus exactement le titre en anglais, mais c'est avec Sandra Bullock pour lequel elle avait gagné un Oscar en fait pour la meilleure actrice pour ce film-là. Donc voilà, c'est des films, des suggestions là, de films basés sur des histoires vraies qui sont excellents et il faut vraiment que vous regardiez. Avant-dernière question, un auteur dont la plume t'intéresse? C'est assez vague comme question. Récemment, je vous dirais que pour moi, auteur que la plume m'intéresse, il y a Sarah Agnès L, qui en fait, que c'est quelque chose qui m'a frappée tout de suite quand j'ai lu son premier livre. C'était sa plume que je trouvais super fluide, facile à lire. Il y avait une belle continuité. J'aimais son style d'écriture. Donc ça, c'était vraiment un gros point positif pour moi dans les trois lectures que j'ai faites d'elle pour le moment. Là, c'était ça. C'était le gros point positif qui ressortait. C'était son style. Donc oui, j'aime sa plume. Et finalement, dernière question de cette partie 1 de réponse à la fac. Donc, un livre ou une série livresque auto-publiée qui te tente. Peut-être que cette question-là était plus du genre auteur d'ici, mais j'en connais pas assez. Donc, je vais vous dire quelque chose plus à l'international parce que je lis beaucoup de tout ce qui est new adult. En fait, il y a énormément d'auto-publications. Donc, le livre en fait que j'attends en ce moment, c'est le livre de Sarina Bowen et Elle Kennedy qui sort genre dans quelques jours. Je pense qu'il va sortir comme dans 2 jours quand vous allez voir cette vidéo-là, là, si vous la regardez la journée de la mise en ligne. Donc, oh my god, je veux ce livre-là. Donc oui, c'est la sortie qui m'intéresse pour le moment dans tout ce qui est auto-publié. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette partie 1 de réponse à ma foire aux questions. J'espère que vous avez apprécié. C'était déjà énormément long pour une partie 1. La partie 2, on va essayer de faire plus rapide, je vous le garantis, mais hein, je voulais vraiment prendre le temps de répondre à vos questions, puis j'aime ça, puis c'est pour ça que j'ai fait la fac justement, puis je voulais pas comme passer des questions juste parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai pas répondu, alors on fait un tri quand même, mais j'en ai répondu à beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine, et bonne lecture!